Hier soir, ma connexion, à un moment donné, elle a fait de la confiture aussi. J'espère que ça va pas le refaire comme hier. Mangyatchang, tu veux venir? You want me to serve you? Ah! No, that's a fine joke! Et ça, c'est une fine joke. Que je devrais plus souvent attribuer genre le maximum de villes possible à mes vice-rois parce que on gagne du temps comme ça, hein, y a pas à dire. À part la limite dans les débuts du jeu où faut vraiment tout gérer à fond pour bien se développer, là à ce stade du jeu c'est plus forcément nécessaire de tout gérer quoi. Genre 2 villes max. Allez, à la rigueur, 3 villes max. Mais pas plus. C'est un remake de Dynasty Warriors Online. J'aime bien, moi. À fond. Guanyu aussi là. Certaines musiques qui changent selon les forces, mais pas celle-là. Zangian quoi, mais je m'en fous de Zangian. C'est Zangiao que je voulais moi.
Mais non! Oh, le transport qui va à Tian Shui, sans déconner! Il est sérieux le transport là? Transport de cul? Moi qui disais qu'il faisait les choses bien. Pas vraiment. Hein. Bon, j'ai 22 000 hommes pour résister. Yanxi, c'est pour son étoile filante, il est mort. Essayez pas de me la foutre à l'envers là-bas, je vous vois venir. La ville est à moi. Ça. Faut pas le laisser à Longmai. Faut que je refasse ça aussi. Bye.
Nouvelle année. Yuetchen est majeur. Gaolan est dans la merde. Hong Sun Kang, le chasseur, est dans la merde. Jushu est dans la merde. Soyu est dans la merde. Xiao Qiao est dans la merde. Chercher la merde.
On grobilise un peu trop là. On grobilise un peu trop. Mieux ça déjà. Cheng Yu vice-roi plutôt que le père Seimer, ce sera mieux.
Shen Gong est mort. La porte de Jean Gay. Si j'aime bien. Il n'y a plus rien à faire à Hanzhong, c'est fini. Donc Tao est mort. Oh putain. Ça c'était un mec qui m'a beaucoup servi ça. Le mec. Reviens là. J'en ai pas fini avec toi. Oh. Ok. Donc Zushan, c'était un viewer, je sais plus qui c'est. Il vient de mourir dans une charge. Ce mec, ce cigomard. Qu'est-ce qu'il y a, Machao? Tu veux des renforts? No! Tu n'auras pas de renforts. Zhao Yun veut me parler. Chen Shi, encore? Bon, cette fois, on gagne contre lui. Hein.
T'es sérieux? Mais va doucement sur les... Le mec, il m'envoie 40 000 hommes. Je suis déjà à fond à Hanzong. Bon, bah, ok. Je lance mon offensive dès maintenant. Merci. En même temps, je suis prêt, hein, pour l'offensive. Ça. Tant que ça. 100 jours. Là, je crois que je commence à en arriver à un point où j'ai plus de ressources qu'il m'en faut. Hein. Voilà, ça suffira amplement. On verra plus tard pour replacer les officiers ici. Ah bah c'était pas pour moi. En fait, il envoie peut-être le transport à Chanyang du coup. Qui c'est qui reste là? Shenxi? Oh bah vas-y. Si tu veux. Si tu veux, Shenxi. Pour information, je sais pas si je l'ai précisé, mais les petits chemins escarpés comme ça, là, si j'ai pas une capacité spéciale, je perds des troupes en passant dedans. Et je l'ai, donc ça va. Ça va beaucoup plus vite les tours comme ça, n'empêche. Hein. On gagne vraiment un temps fou. J'ai complètement zappé l'autre là. Je m'en occupe. Ewan. Vas-y, va choper Ewan si tu veux, Lyoyo. Duel. Fais ça, casse-toi. T'as peur d'une fille.
Même là, 40 000 hommes, ça va faire trop quoi. Donc faites-moi un transport. Wenchu, le mec plus pressé que tout le monde. Bien tenté, chien. Il est pour qui ce transport? Il est pour moi encore? Je sais plus quoi faire là. Je sais plus quoi faire de mes hommes parce que... voilà. Ils sont complètement fous là, ils m'envoient des transports en masse. J'ai trop de ressources. Si vous en voulez un petit peu, les viewers, n'hésitez pas parce que là je suis trop riche. C'est ça quoi. J'ai littéralement 1 million d'hommes qui arrivent. Genre je peux même plus les placer dans ma ville quoi. Un cessez-le-feu. No.
C'est l'aspect du disque qui est apparemment super intéressant, c'est de pouvoir jouer vraiment en tant qu'officier de temps en temps. Encore au max. C'est de la folie. On m'envoyait plus de transport maintenant, hein. Ça suffit maintenant. Trop de matos, tu le matos. Putain, il est en train de me foutre Wenchu dans la merde. Seigneur Zhang Liao, je viens vous tuer. Ouais, il va pas faire de duel. Tongue à distance, c'est beau. Du coup, ce qui est moche, par contre, c'est que j'ai capturé aucun officier. Mais...
largement. Faire un transport directement. Pour le gros surround que je peux faire là par contre. Et il est même pas capturé. Genre, il a été encerclé de toutes parts. What the fuck? Ouais, sauf une part, à la limite. Je te l'accorde, Jaume. Attends, mais on est déjà à 87 000 là. J'ai pas envoyé 60 000 hommes de plus. Non, bah demi-tour le transport. Désolé, autant pour moi. On va en faire un autre, un peu différent. C'est-à-dire 10 000 hommes à la rigueur. La bouffe, tu peux y aller. Le fric, tu peux y aller. Ce règne. Je peux faire du rank, ça, un peu. Et je veux également m'occuper de mes régions. Edith. Ça c'est la numéro 5. C'est coupé, mais tant pis. Vous aurez qu'à prendre Wen. Quand on sera plus en alliance avec ce connard de Machao. Putain, encore une ville bien pourrave par contre ça. Le problème, c'est qu'on a plus de fric. Ah ouais. Voilà, on en a du fric.
Comment tu veux te développer dans une ville pareille? C'est pas Smith. Pourquoi il y a deux Smiths? En plus, il a fait n'importe quoi, le mec. Non, je pourrais pas faire beaucoup mieux. De toute façon, après, niveau matos... Je me le fournis moi-même, le matos. C'est où ça, Jiangsu? Ah, c'est là. Et vous, mon stratège me suggère d'attaquer là. Non, je prends Chengdu avant. Je vais attaquer Chengdu là. Hein. C'est plus près, c'est plus facile. Même s'il y a deux portes à passer, les portes elles sont même pas bien défendues en plus. Non, je prends Chengdu. Si ça continue comme ça, je vais unifier la Chine cette nuit. Si ça continue comme ça. Après, je suis pas à l'abri d'un événement fâcheux. Je sais pas ce qui va se passer quand Gongsunzen va mourir, par exemple. Qui a été annoncé d'ailleurs, la mort de Gongsunzen, je me rappelle. Donc bon, ça va être assez imminent. Nouvelle année. Maozu, ah bah c'est Enzo. Bravo ça. Feng-Ji est dans la merde. Loli... Oh non, Lolinki. Lolinki est morte. Missa, qui est toujours son seigneur. En fait, Missa s'est barrée quand elle a senti que Dongmai, ça sentait le foin, quoi. Elle s'est dit, ça sert à rien de servir un seigneur qui va crever. Vous pouvez me faire une petite recherche, là? Une petite recherche tranquille. Gunpowder, c'est de la merde, Gunpowder. Non, non. Pas de recherche. Si c'est pour me faire de la merde comme ça, c'est pas la peine. Je vais recruter un mec qui s'appelle Lunzi. Allez, c'est parti, débat. Oh bah. Ça sent le débat de renom, ça. Allez, one shot. T'es trop con. T'es trop con pour moi. Ouais, c'est pareil, nombre max de troupes. Ok.
Bon bah, on est bien là. Ce qui signifie que nous sommes en mesure d'attaquer dès maintenant. Allez, en route! Pas de temps à perdre. Zaoyu et Neguanyu ensemble, ça me semble être une très bonne équipe, ma foi. Zhangfei et Dongwei. Zhangliang. Je m'envoie plus au combat parce que j'ai peur que la mort de Gongsun Zan survienne en plein combat. Oh, Xuong, il est passé à son portrait vieux. Oh là ! Oh, non, Wenshu ! Wenshu, Liu Fu, je m'en branle. Wenshu est mort. Bon bah c'est Messan Yang du coup qui dirige l'unité et j'ai perdu des hommes dans l'histoire. Bon bah tant pis, Messan Yang, ça fera l'affaire. Elle est en cavalerie S, elle est assez bonne en war, ça fera l'affaire. Putain, Wenshu quoi. Ça avait été annoncé hein, de toute façon. Il était pas en forme en ce moment. Passer aux musiques d'origine. Je vais arrêter un petit peu la playlist. Bon, après ce coup, ça, après ce recrutement, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là, hein? Tu vas te faire one shot? Ou pas? Non, même pas de one shot. Chacun son tour.
pu le garder pour plus tard, mon registre. J'étais un peu vite. C'est facile. Ok, je vous mets la musique du jeu. La musique officielle. La prise de Chengdu. J'arrive en pleine pleine évasion de sauterelles, quoi. Tu restes bien.
fait, là. Bon, triple attaque. Wenjing est mort. C'est, je peux balancer une recherche intéressante. Elite Spears. Elite Pikes. Elite Crossbow. Yunnan Ladder. On va mettre Elite Spears. Je commence à flipper en fait quand j'entends ce bruit de quelqu'un qui est mort. On va attendre. Prochain tour, je fais un serum. Peut-être que je capturerai du monde comme ça. T'as une sale gueule, toi, quand même, hein. Désolé, mais non. Délit de sale gueule. Thank you.
Genre les mecs, ils envoient des troupes depuis le Nanman pour m'attaquer. Vous avez de l'espoir. Vous espérez reprendre Chengdu là, sérieusement? Moi je serais vous, je me barrerais de ce pays, j'irai me refaire ailleurs. C'est quand même vachement bien. Ok. Mes vice-rois qui sont en train de d'attaquer le territoire de Sun Tse. Et qui sont en train de gagner en plus. Zhang Yun est mort. J'ai pas l'impression que leurs attaques sont vraiment non plus quelque chose de prodigieux. Ça ira mieux quand ce sera moi qui gérera cette guerre. Enfin bon. Tant qu'ils me perdent pas de territoire, c'est tout ce que je leur demande.
Bla 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 bla. Donc Taïyan, c'est mon père. Missa, toujours officier libre. Il y a besoin de reward là. Voilà vous. Vous êtes ici. Vous êtes en avance. Xiaokyo est morte. C'était la femme de mon fils. Il va m'attaquer depuis Yong'an alors qu'il se fait prendre en Cortez par Sun Tse. À quel point es-tu con? Ah non, c'est... Non, si, si, si. Si, si. C'est bien ça. Le mec. Ok, on a perdu ça, c'est pas grave. Qu'à donner ta vie à tes ennemis, c'est bien, hein. Pourquoi pas.
Ils vont pas être déçus. Attaquer Zitong plutôt. Je vais aller l'intercepter. Il veut attaquer Zitong. Il est fou. Vraiment pas grand chose à faire après en dehors des batailles de nos jours. Je suis ralenti par la forêt. Oh bah ça y est, mon fils est mort, Gongsunxu. Il a pas supporté la mort de sa femme. Ah bah comme ça, officiellement j'ai plus d'héritier, c'est super. Sun Wan. Allez, va voir. J'ai 60 piges quand même, hein. Thank you.
qu'on n'y est plus sous les ordres de Song Changzhou. Bon, ben, on va aller prendre Jiangzhou. Prends quelqu'un sous tes ordres, toi. Prends Messenio. Prends mes Sanyang dans tous les sens que tu veux, mais prends mes Sanyang. Ah, le fils de Zhang Fei est majeur, Zhang Bao. Zhu est dans la merde, Lin Kao est dans la merde, Zhang Hong est dans la merde. Wow. Putain, mais calmez-vous au sud, là. Au sud, ils s'éclatent un peu trop, là. Tout seul, dans leur coin. Gaolan, c'était un de mes vice-rois. Oh, Dakiao est morte aussi. Thank you.